Mais Sion, regardez avec qui je suis, c'est le retour du duo avec LEN, l'étoile noire et son crâne chauve, son crâne dégarni éclaté au sol. Allô? Ouais, Tokar, ça va ou quoi? Quoi? Comment tu m'as appelé? Bah Tokar, comment ça tu prends pas de mes nouvelles? Mais c'est toi, t'as pas pris de mes nouvelles à moi? Mais c'est toi? Comment ça tu fais la victime? T'es moi la victime dans l'histoire? Ce que je te propose, vu que t'as énormément de skins dans ton casier, c'est de faire un défilé de mode. Tu t'infiltres et tu dois finir le plus loin possible, si possible, le gagner. Est-ce que ça te chauffe hein? Attends, mais si je gagne, il y a une récompense. Vas-y, si tu gagnes, je laisse sur Twitter, ou même sur YouTube, pendant une semaine, ce montage-là avec le crâne chauve que j'ai. Voilà, le montage de moi avec crâne chauve, YouTube pendant une semaine. Ça va ou pas? Ok, vas-y, c'est quoi le thème du défilé de mode? Vas-y, mec, tais-toi, on lance et après tu verras après. Oh, calme-toi. Il est fou lui. Nous sommes sur ma map défilé de mode les amis. Et LEN fait partie d'un de ses skins. Franchement je sais pas du tout t'es qui pour le moment, mais vraiment j'espère te tuer, parce que ma tête chauffe sur YouTube en PP pendant une semaine, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais prépare déjà la photo hein, parce que là tu vas la mettre dans... à la sortie de cette vidéo tu la mets hein. Mais tu sais que j'ai peur parce que t'as 1000 skins. T'as combien de skins exactement? J'ai 1130 skins sur mon casier. Non mais t'as pas de vie, trouve une meuf. Ah bah t'as une meuf là? Mais j'ai une meuf. Trouve une meuf dans l'espace commentaire. Le premier thème, c'est rouge. T'es un peu un tricheur, parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, j'ai trop de skins. Donc du coup, pour moi, c'est compliqué d'aller voir tous les skins dans mon casier. Allez, arrête de raconter ta vie et trouve un skin rouge. Je vais avancer et essayer de voir s'il n'y a pas un petit LEN caché, un petit tocard dans la cabine. Ah, malheureusement, on voit pas à travers, hein. C'est un peu relou. Attends, tu voulais m'espionner pendant que j'étais en train de me changer, Nextas? Après, voilà, j'ai des délires un petit peu comme... Non, bref, c'est un autre sujet. Mais en vrai, est-ce que je t'ai manqué durant tout ce temps, tocard? Moi ça m'a surtout manqué de pouvoir t'insulter, de pouvoir mettre des photos un petit peu de toi chauve sur les réseaux et tout. Mais en vrai non, ça m'a quand même un peu manqué. Mais je pense que ça a beaucoup manqué aux abonnés surtout. Allez je commence, c'est parti. Le défilé de mode est lancé les amis. Et je vais du coup déjà dégager cette première personne. Ah là je suis désolé frérot. Mais t'es pas dans le thème, on est dans le thème rouge et t'es pas dans le thème. Ouais on peut le valider. Là on a la meuf, donc ok pareil, je valide pour le moment. On a ici Deadpool. J'aime bien, c'est validé. Là on a Spider-Man, mais aïe. En vrai, je kiffe Spider-Man. Tu vois, c'est l'un de mes super-héros préférés. Je suis allé voir le dernier film au cinéma. Mais là, tu racontes ta vie, là, Nextas. C'est la vidéo de qui? C'est la vidéo de ta daronne ou c'est ma vidéo, là? On se calme. Ok, bon, vas-y, t'as été au cinéma, vas-y. Allez, hop. Ouais, pour la peine, j'ai buté le mec. Pour la peine, je l'ai buté. Voilà. Attends, Nextas, le mec que tu viens de tuer. Attends, je t'ai buté toi? Non. Là on a un Daredevil, je kiffe de ouf les gars, la série est incroyable. Franchement validé, j'aime bien la pioche. Franchement lui il a l'air d'être pas mal hein. Avec la petite cape Superman, validé. Ouais, lui ça dégage, je suis désolé Valmulti, mais ça dégage, j'avais un peu trop de vert. Là on a un Flash, je valide totalement. Beaucoup de rouge. Est-ce que je t'ai fait déjà pour le moment? Oui. Je sens que t'es là ouais. Là, je sais pas. Genre t'as une odeur corporelle assez assez développée donc Attends mais t'es en train de dire aux abonnés que je pue, je sens mauvais. Voilà, j'ai reçu quelques petits messages de ta meuf permettant de me dire que tu avais une odeur corporelle assez désagréable. Mais ça c'est un autre sujet. Est-ce que tu veux le deuxième thème? Vas-y, dis-moi. Allez, ça part. Thème Halloween. On se rapproche petit à petit d'Halloween avec la nouvelle saison de Fortnite. Donc, go thème Halloween. Go choisir franchement, tout ça. Et à mon avis, tu vas avoir des beaux skins. Non, mais oui. En vrai, je te mets bien quand même. Hein. J'ai pas beaucoup de skins d'Halloween. J'en ai peut-être 100, ouais. Quelque chose comme ça. Allez, let's go. C'est parti du coup pour le petit résultat. Alors, ça, malheureusement, ça dégage, les gars. Mamoun, ça dégage, c'est pas dans le thème d'Halloween. Et ça aussi, les gars. Non, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce. Non, mais ça, non, non, mais les. Je crois que c'était thème Halloween, je suis trop con. J'ai vu une joueuse de foot, mais je crois que c'était une joueuse de foot zombie. Attends, toi qui connais les skins, ça existe, non, joueuse de foot zombie? C'était en effet un joueur Halloween, un skin d'Halloween. Chosizi, frère, Chosizi, je l'ai pas vu. Nextas le Zizi dans l'espace commentaire, voilà. School Trooper en or meuf, c'est validé, ça c'est sorti durant Halloween. Là, on a un petit lutin d'Halloween, j'aime beaucoup. Là, on a un Brutus, malheureusement, ça passe pas, ça. Ça passe pas, Kizei, ça dégage. Là, on a un Midas, ah oui. Alors lui il a sorti le grand jeu, tu vois, Midas ultra stylé. Il était là à l'agence il me semble quand l'agence était cassée avec la tambour mythique. Et franchement j'adore, c'est validé. Oh il a même pris le temps de changer le sac à dos, hein, sac à dos et tout. Donc par contre la pioche ouais Noël en fait. Non mais c'est moi qui est bête en fait. Ok on continue, là on a un school trooper vert. Et attends c'est quoi, je me coupe ici, est-ce que je t'ai noté là? Oui. À l'instant? Non. Putain mais t'es où frère, t'es où?
C'est le lutin, les gars, c'est... Ok, alors le Skull Trooper vert, c'est dans le thème, j'aime beaucoup. Ça, malheureusement, j'aime pas, c'est plutôt un skin alien. On a fini, du coup, le deuxième thème. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 personnes de qualifiées. On va partir sur la demi-finale, et après, ça sera la finale. Est-ce que t'es encore en vie? Oui. Ouais, non, mais étonnant. Oui, t'es le plus gros pigeon de France, frère. Troisième thème, thème super-héros, parce que normalement la prochaine saison c'est sur les super-héros avec Marvel. Je pense que je t'ai mis bien parce que en termes de skin Marvel, en termes de skin DC, t'en as à la pelle à mon avis. Non, ça va, franchement, non, ça va, non. Demi-finale, après cette manche, il restera deux finalistes. Bon les gars, j'ai un peu paniqué, malheureusement j'ai pas trouvé d'outils de collecte que je voulais, parce qu'en fait le problème c'est que je suis tellement un pigeon que j'en ai trop des outils de collecte, donc j'ai pas eu le temps d'aller trouver mon outil de collecte. Mais c'est pas grave parce que j'ai un skin rare, j'ai un beau sac à dos genre Thanos. Je sais que Nexas il aime beaucoup Thanos, tout ça, donc je sais que le combo là il va valider. Et on va commencer par le petit skin flash. J'ai envie de le tej les gars, parce qu'en fait le skin flash était là au début, donc voilà, ça va tej malheureusement. Là on part sur le skin Spider-Man, donc attendez, on va essayer de juger quand même la pioche, la cape et tout. La cape, ouais, après est-ce que c'est réellement dans le thème héros? C'est un super héros. Mais attends, il y a moyen que ça soit toi. Mais attends, t'as pas l'air d'avoir peur en fait, c'est... J'ai pas peur, je suis un super héros. Bah le Spider-Man j'aime bien honnêtement, mais je sais pas, c'est pas très réaliste, tu vois, il a pas de cape Spider-Man. En plus de ça, voilà, il y a une petite pioche. J'en suis sûr c'est pas toi, c'était quoi? C'est vrai, il a pas trop, non, oui, il a pas fait trop d'efforts. En fait, je pense que t'essayes de rentrer dans mon cerveau, je pense que c'est toi, attends, je vais voir. HyperX, c'est pas toi, frère, c'est pas toi, toi c'est caca de pigeon, toi, vas-y, bref, et hop. Ok, donc là, on est quand même dans le thème super-héros, j'aime bien, c'est Natasha, dans Avenger, oh non mais oui. Attends, non, mais son skin à lui, là, c'est Natasha. Ouais, il y a les pioches de Groot, donc j'aime beaucoup, le gant Thanos, ouais, non, il est dans le thème, les gars, je suis obligé de qualifier, on a notre premier finaliste, Natasha. C'est parti, ma petite Natasha. Là, il n'y a que un des deux skins qui va passer en finale, les frérots. Donc, Captain Marvel. Et je vais commencer par elle parce que c'est aussi Natasha. En vrai, c'est le thème, mais... Ouais, non, je vais devoir la tèche parce qu'en fait, regardez la pioche. Les gars, on dirait limite que c'est plus le pouvoir de Thor, tu vois. Je suis obligé de la tèche. Et je vais laisser qu'une Natasha, donc on va laisser celle de là-bas. Et du coup, c'est bon. On a nos deux finalistes. Captain Marvel, j'aime beaucoup. Donc, la cape, c'est la cape de Thor, il me semble. Mais c'est OK. Donc, Captain Marvel contre Natasha. Est-ce que t'es l'un des deux finalistes? Oui. Jure-le sur la vie de ta mère. Je le jure sur maman elle est. Les gars, non, s'il vous plaît, pas de bébé sauve. Pas de bébé sauve. En plus de ça, frère, je stresse d'avoir une calvitie un jour. Les gars, mon père il est chauve, les mecs. Mon père il est putain de chauve, donc. Le thème de la finale, c'est le thème animé, vu qu'on est sur la map Dragon Ball Z Fashion Show et que les skins Dragon Ball vont arriver bientôt dans la boutique. Allez, fais-moi vraiment un beau combo. Le problème, c'est que animé, y a, à part Naruto, il n'y a rien, les gars. Il y a des packs anime, les gars, mais le problème, c'est que je me rappelle plus des noms. Les gars, je me rappelle plus des noms. Je sais que Nexas, il le kiffe, lui. Ok, je sais qu'il le kiffe, il faut que je me dépêche. Je ne vais pas être chauve sur ma photo de profil YouTube, je ne serai pas chauve aussi dans la vraie vie. Je te sens stressé là, vraiment, on sent que t'as une petite boule au ventre, non? Ah bon? Non, moi je pense que c'est du tout, hein. Moi je sais que j'ai gagné. Oh non mais frère, c'est trop grave ce mec, c'est trop grave. Mais tu veux pas te taire un peu? Mais la vie, tu m'avais pas manqué, frère. Bah toi non plus, tu m'avais pas manqué. Alors là les gars, j'ai trouvé un outil de collecte. Oh, incroyable. Ok, la finale est lancée. On a les deux finalistes, Gaara du désert et Sasuke, deux skins de l'univers Naruto. Et on va commencer par le petit Sasuke. J'aime beaucoup. En vrai, j'aime beaucoup, mais en même temps, c'est facile, tu vois. Parce que là, on a un Sasuke qui est vraiment assez beau, esthétiquement parlant. Mais aussi, on a une bonne épée derrière. On sait que Sasuke, il a une épée. Oh, ouais, non, mais en fait, j'aime bien. J'aime bien même la pioche. La pioche, j'allais dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est une. C'est frère, qu'est-ce que c'est en fait? Le mec, il va témoigner, pas du tout en fait. Le mec il a clairement des initiales japonaises, donc en vrai c'est voilà, il part avec de bons points. On va regarder Gaara du désert maintenant. On a le petit sabre de Sasuke, je crois, avec le sac à dos de, ouais, j'aime beaucoup le sac à dos de Gaara et tout. Ok, venez les deux finalistes vite fait, on va vous départager un peu plus avec du coup la voiture. Viens ici Sasuke, montre moi ton camo, le camo que t'as choisi du coup pour cette finale. Et ouais, j'aime bien.
Franchement, jamais. Alors, c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais le bleu un peu foncé, on le retrouve au niveau de ton pantalon et tout. Ok, non, franchement, c'est ok. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, ouais, ça va. Franchement, ça va. Il est pas non plus dépaysé, même si y a du bleu un peu. Il perd un peu de points par rapport au Sasuke, tu vois. Ok, le planeur de Gaara, bah, c'est le planeur de base, en fait. C'est bon, ok. Alors, bon, je sais pas si c'est... le même univers, mais ok, ok, ok. Y'a Gaara qui se fait un peu de sa gueule, mais ok. Je vais devoir faire un choix, les amis. Le choix va être crucial. LEN, vu que t'es dans ma voc, vraiment, essaie de me donner des arguments sans dire t'es lequel de skin. Alors, en vrai, je trouve que le revêtement quand même du skin rouge sur la voiture était mieux que l'autre. Celui qui avait le planeur multicolore, il a juste pas eu le temps de changer son planeur parce qu'avant, t'avais donné le thème des super-héros. Donc, en vrai, je pense qu'il a quand même une excuse. Les gars, je crois que j'ai trouvé LEN. En fait, je pense que là, LEN, il est essaye de me bait et de me faire croire du coup que, en fait, LEN c'est Gaara, les gars, depuis le début. Il était là, en fait. Je vais sentir un petit peu au niveau d'odeur. Ça pue la merde ici. C'est Gaara, frère. LEN, t'es Gaara. Et ça dégage. Non. Non. Yes. Si. Les amis, LEN a gagné le défilé de mode. Je pensais qu'elle allait rentrer dans ma tête, mais en fait, c'est moi qui suis rentré moi-même dans ma tête. C'est trop grave, non. Non, frère, pendant une semaine, abuse. Attends, je dois vraiment le faire, là. Pendant une semaine, Nexa, tu dois mettre une photo de toi chauve. Frère, le retour des vidéos entre nous deux commence trop mal, j'en ai marre. Mais sérieux, je vais y retourner faire des vidéos avec mes frères, mais je peux même pas, en fait, ils sont pas chez moi, ils sont partis en vacances. Ils sont partis en vacances. Mais allez jouer sur ma map, allez la tester, allez faire des petits défilés de mode dessus. Vous avez le code dans la description, mon autre map Moving Zone aussi. Et voilà, ça sera mon petit cadeau. Stay.